Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Petit Quick. Bonjour. Et aujourd'hui on va faire un swap toutes les deux, donc vous pouvez dès à présent retrouver sa vidéo du swap sur sa chaîne, donc avec les cadeaux que je lui ai offerts. Et là je vais déballer les cadeaux qu'elle m'a offerts dans cette vidéo, j'ai trop hâte, je sais que vous aimez beaucoup les swaps. Et pour ceux qui ne connaissent pas le principe, en gros on s'offre toutes les deux des cadeaux, donc ça fait plusieurs mois qu'on a cherché les cadeaux un petit peu partout et on s'offre ça aujourd'hui, donc on est trop contentes. Et du coup, c'est parti, bah, tu m'as fait un petit... J'ai fait un petit mot pour commencer. Un petit mot. Et ensuite, il y a un menu avec 10 cadeaux, normalement. Bon, vous verrez. Elle n'a pas respecté, moi, il n'y aura que 10 cadeaux. Respecté, je le dis avant. J'avais plus de 10 cadeaux, mais on se donne des lots, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Salut Mise, voici enfin le jour tant attendu du swap qu'on prépare depuis des mois. Bon, comme tu me connais, je suis toujours à la bourre pour tout. Donc là, c'est un peu un swap à l'arrache que je te propose aujourd'hui, emballé dans de la nappe jetable. C'est pas grave, c'est joli, c'est une jolie nappe. Elle est rouge, c'est joli, ça fait... Voilà. C'est original, on fait avec ce qu'on a. C'est un DIY. J'espère quand même qu'il te plaira et je te souhaite une bonne ouverture. Petit quick. Et donc là, on a le menu avec 10 cadeaux. Le 19, c'est quoi? Surprise. Ouais, génial, ouais. C'est en 10. Tu verras. Ok, alors le 1, l'une de nos passions communes. Ok, passion commune, on a beaucoup de passions communes. Donc il y a les Tum Tum, il y a les Fuffy, il y a les coloriages. Je pense que c'est un coloriage. Alors la nappe, excuse-moi nappe. Est-ce que la nappe se déchire bien? Donc ça tu vois, moi j'ai fait un A et B parce que j'ai pas réussi à emballer. Toi avec la nappe t'as trop réussi. Ok, bah ça je suis trop contente. En gros, en plus ce qui est drôle c'est que moi quand j'ai commandé ce carnet, je voulais le commander pour moi et je me suis dit ouais mais je sens que Petit Quick va me l'offrir. Donc du coup j'ai pas commandé, je suis super contente, voilà. Et elle avait cramé en plus une photo sur mes... Sur mon téléphone. Et c'est pour ça que c'est cadeau numéro 1, parce que là c'est pas ça. Vraiment surprise. T'as raison. Ouais. Il est trop mignon celui-là. Et c'est, ouais, là c'est des marque-pages Disney Babies, donc là on était ensemble quand on a vu ces trucs-là et on les a achetés ensemble. Donc ça c'est les trucs qu'on connaît un petit peu, mais c'est des marque-pages à colorier, donc voilà, ça reste dans le même univers, le coloriage, tu pourras te faire je plaisir. Suis contente. Moi je vais faire les indestructibles en premier déjà. Mais apparemment, par contre, il y a des erreurs sur ces livres-là. Ouais. Parce que c'est pas Jérém qui les a fait. Bah ouais, donc si on peut, on faudra faire attention. Ouais, faudrait faire attention. Ok, bah je suis déjà très contente, moi, dès le début. C'est déjà bien. Alors, 2. Plus c'est petit, plus c'est mignon. D'accord, donc là, je dirais... C'est un gros colis quand même. Ok. Bah je dirais des Tsum Tsum, du coup. Dans un colis. Ça s'ouvre en mal. Non, non, mais je sais, moi, je voulais voir les indications du colis. Ah, c'est moi qui sais, c'est pas vrai. Oh non! Alors, j'aimerais bien que ça... Ah bah, je dis j'aimerais bien, mais on les voit. Qu'est-ce que ça, bébé Hercule et bébé Pégase. Oh là là, c'est exactement celle que... Mais est-ce que, genre, tu les as achetés avant que je te dise... Ben oh, ouais. Mais les deux meilleurs, c'est bébé Hercule et bébé Pégase. Je les ai achetés depuis début mai, et c'est elles qui n'ont failli jamais arriver. Je me suis battue à la poste hier. Je leur ai dit, cherchez si vous n'avez pas un colis à mon 14. Nom. Et genre, elle me dit, non, il faut un numéro de suivi. J'avais pas le numéro de suivi. Du coup, le site m'a proposé de me les renvoyer et tout. Et au final, elles étaient à la poste depuis 14 mai. Je les voulais absolument. En vrai, en secret, si je te disais que je les adorais, c'était parce que je les voulais pour le soir. Je les avais déjà achetées. Elles sont trop belles. Oh là là. En fait, dès que je les ai vues, moi, dans ma collection, je me suis dit, bah ça va lui plaire, ouais, c'est sûr. Mais elles sont... baby et tout. Oh là là. Elles sont toutes petites en plus. J'adore Pégase en plus. C'est Hercule. Oh, ils sont trop beaux. C'est les meilleurs. Hein. Ouais. Les autres, ils sont. Avec la ride d'Hercule aussi. Ils sont moins Pégase. Ouais, la ride d'Hercule, elle est magnifique aussi. Ouais. Ah bah, je suis trop contente. Je me suis dit que ça te plairait. Ça, ça va être génial. Je vais les mettre en premier rang de. En plus, des boîtes, la couleur des boîtes, je la trouve jolie. Tu vois, jaune et bleu comme ça. J'avoue, elles sont trop belles. Très stylées. Un bébé Hercule, elle est trop trop belle, quoi. Avec l'éclair et tout. J'adore, je suis fan. Ouloulou. Alors ensuite, pour peaufiner ta culture. Wow. Ok, alors je trouve que j'ai une très mauvaise culture. Donc, c'est, on dirait, alors, je dirais que ça peut être un cahier de vacances. Je dirais, attends, il y a peut-être deux trucs. Ah, attends, il y a peut-être deux trucs au final. Un cahier de vacances Star Wars. C'est le parce que je sais que tu adores les cahiers de vacances et Star Wars, bien évidemment. Waouh! Ah! Et du coup, t'as acheté aussi, on en avait parlé,
ça va ouais. trop cool. Et t'es revenue à Disney, tu l'as acheté quand là. Quand je suis allée avec mes parents, je trop me suis dit, bien. Bon, ça fait un petit cadeau en plus, quoi. Waouh, et celui-là, bah, je le voulais absolument. Oh là là, mais trop et cool. Et celui-ci, il est arrivé, genre, c'est un des rares cadeaux qui est arrivé à temps pour le swap, étant donné que ouais. je me suis pris un peu au dernier moment. Il est arrivé complètement défoncé. Sérieux? Genre, le facteur, il avait forcé de ouf pour le mettre dans la boîte aux lettres. Du coup, j'ai écrit à Amazon et tout, je leur ai dit, les gars, là, c'est pas possible. Ils m'ont envoyé en express et tout. Cool. Et du coup, heureusement, il est arrivé à temps et en bon état. Il est trop beau. J'ai feuilleté vite fait et il a l'air bien stylé. Ah ouais, du coup, tu pourras peaufiner ta culture Disney parce qu'elle adore les livres Disney, je notamment sais, sur le crapaud et le maître d'école, voilà, hein, que personne dont on sait peu de choses finalement. Tout à fait. Ou encore la mélodie du bonheur. Voilà. Donc, je me suis dit, ça pourrait t'apporter des infos supplémentaires. C'est bien, et ben, ça me fait très plaisir. Ouais. J'adore les livres Disney, j'ai une collection de livres Disney. Donc, du coup... Ça va t'apprendre moins de choses, je pense, mais ouais. les images sont jolies et ça fait des souvenirs. Ouais, quoi. Puis même, regarde, genre là, ouais. t'as... Je l'ai trouvé juste joli, c'est ouais. un petit truc en plus, je me suis dit. Il est beau, et puis c'est... Ouais, c'est vraiment des souvenirs, parce que voilà. par exemple, à Stitch Live, tu vois, ils vont l'enlever bientôt. Ouais, donc du coup, on pourra feuilleter ça dans 10 ans et faire, mais quand il y avait j'ai Stitch, connu ça, j'ai connu. Bon, je l'ai vu qu'une fois, hein. J'étais avec toi d'ailleurs. Ouais. Mais oh, c'est trop beau, regarde les J'ai trouvé les images magnifiques, tu vois. J'ai hésité à te le prendre, parce que je me suis dit, ça va pas t'apprendre. C'est à l'intérieur des attractions et tout, franchement, c'est magnifique. J'ai trouvé joli. Ah ouais, ouais, trop contente. C'était un critère d'achat. Ouais, j'aime trop quand ça. J'adore cette odeur de comme ça. C'est trop bien. J'ai acheté le critère numéro 1. Franchement, je kiffe de ouf. Je suis trop contente pour le moment. Ça, tu bon, es... tu as tapé dans le. J'ai pas pris trop de risques. Ouais, non, trop bien. Alors, 4. J'espère que tu aimes les super-héros. Ça dépend lesquels. Genre, tu m'as pris des Tsum Tsum super-héros. Je sais pas. On dirait des Tsum Tsum. On dirait 4 Tsum Tsum. Non, c'est le paquet numéro 4, c'est tout. D'accord. Mais ah, c'est quoi ça, meuf? What? Ils sont ultra stylés ou pas? What? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ils viennent de sortir aux États-Unis. Et normalement, il y en avait 8, mais du coup, Lille. On a 4 copains qui arrivent dans un prochain colis. Ils seront déguisés en personnes des années 60. Voilà, wow. C'est 8 Tsum Tsum qui sont sortis chez Target récemment, mois-ci. Du coup, il y avait 4 super-héros que j'ai reçus. Et la vendeuse, elle me les envoyait en 2 colis différents. Donc, j'ai reçu ceux-là, mais pas encore les autres. Et les autres, c'est des Tsum Tsum des années 60. C'est méga stylé. Je peux te les montrer si tu veux. Et genre, je me suis dit, bon, bah, oh là là, super-héros et tout, ça pèse de ouf. Regardez, ils ont des capes et tout. Ah ouais, c'est un nouveau délire ça. D'accord. Oh, mais je connaissais pas. Oh, je kiffe. Oh, et je te montrerai les autres qui arrivent. Ah, ouais. En vrai, tu m'aurais fait des Tsum Tsum de Spider-Man. C'est pour pas ça l'indice. Jeux, l'indice, je me suis dit, ça va te tromper. Ouais, grave, c'est trop super-héros. Mais il est géant. Ouais, ils sont trop beaux quoi. Mais du coup, voilà. Bah, je les trouve pas. Je vois les super-héros. Ah, si, ils sont là. Voilà, c'est ça. Ouais, Tigrou, c'est un autre délire, ça. Ouais, aussi. Ouais, il a des lunettes et tout. Marie, elle a une coupe afro. Et ils ont des coupes de disco. Mais et tout. Tu me l'enverras, je la mettrai dans, ouais, le, très bien. Dans le swap. Ouais, je l'enverrai. Je vous mettrai une petite photo, comme ça, vous verrez. Voilà, et du coup, ça arrive. Normalement, ça aurait dû arriver en même temps. Ils sont partis en même temps, mais voilà, j'ai reçu que cela. Tu es de ouf, meuf. Ils sont beaux, hein, Mickey et Minnie. Il y a écrit Mickey Mouse et Minnie Mouse et tout sur leur cap. Oh là là. Trop stylé. Ah, j'adore. Ça, je savais même pas que ça existait. Voilà, ça, je me suis dit. Ils sont grave beaux en plus. Je les ai pris pour moi et je me dis en même temps, j'en profite pour te les prendre. Génial. Aussi. Génial. Super idée, Tsum Tsum. Bravo. 5, tu l'auras bientôt. Ça, j'ai dit, c'était un bon quand on a fait la miniature. C'est un bon pour. Parce que ça, c'est arrivé. Le colis s'est perdu. J'ai vraiment pas eu de chance pour ce swap. Certes, je m'y suis pris un peu tard. Le colis s'est perdu. Ils me l'ont renvoyé. Il devait arriver aujourd'hui. Et il n'est pas arrivé. Il arrive demain. Donc, tu l'auras demain. D'accord. Je reviendrai demain alors. Voilà. Alors. Tout ça pour un petit papier. Elle a fait un plus grand papier cadeau quand même pour faire genre. Bon, pour une coque d'iPhone X personnalisée sur le thème de Coco. Oh, ça fera ça. Trop stylé. Waouh. Et là, j'ai écrit Miss. Sérieux? Ouais. Wow, trop stylé, meuf. Elle est magnifique. Cette coque-là, je me suis dit, c'est moi qui ai choisi l'illustration. Wow. Et tu peux la personnaliser. Voilà, et j'ai personnalisé en écrivant Miss. Wow. Oh, j'aime trop. Moi, j'adore Coco. C'est ma vie, moi. Bah, je me doutais que t'aimais bien Coco et je trouvais les couleurs trop stylées. Ouais, trop belles. Donc, voilà. Avec Pépita, là, derrière. Ouais, je me suis dit, il y a tout. Il y a leur famille derrière en scred. Ah, j'avoue, il y a la famille. Ils sont là. Le orange, le bleu, je me suis dit, il y a Dante. Je voulais Dante en allébrerès au début. Et j'ai trouvé aucune image jolie de Dante. C'est pour ça que tu m'avais dit que t'avais trouvé aucune image de Dante. Ah, okay. Et du coup, voilà, Dante. D'accord, tu m'avais dit que c'était pour la mettre sur une miniature à la base. Tout à fait. En fait, quand je t'en ai parlé, je me suis dit pourquoi là, il faut que je trouve un prétexte pourquoi j'ai cherché des images de Dante en allébrerès pour ma miniature, mais du coup, non. Ok, j'ai sorti un mytho comme ça sur le cool, meuf. Bah écoute, non, mais de toute façon, si je le reçois demain, au pire, je mettrai une photo.
Ou sinon sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, MissYT. Voilà. Elle arrive demain. Alors, du coup, c'est reparti. Très, très cool, la coque. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. 6, ça va changer ta vie. Ah bon? Ça va changer ma vie? Ouais, clairement. Wow. Alors déjà, c'est large. C'est un clavier d'ordi, parce que je sais que tu en manques. Ah! Alors, attends. Ouais, si, c'est bon. Oh, attends. Waouh! Putain, meuf, trop cool! C'est quoi? J'arrive avec 3 fois plus de crayons soon! Donc, je t'explique. Okay. C'est une boîte de crayons de couleur qui vient exclusivement du Japon. Tu peux les ouvrir? Ouvre. Là, il n'y en a que 50. Sérieux? J'ai une boîte de 150 qui arrive et tu vas voir les crayons, ils sont magnifiques. Et c'est une marque, ça vaut largement les Polychromos. Waouh! Et genre. Tu vas avoir plein de teintes. Donc là, j'ai que la boîte de 50. Je te donnerai la boîte de 150 dès que je l'aurai. Fais pas tomber tous les crayons comme moi. Non, t'inquiète. Et voilà. Et je les trouve magnifiques. Et les crayons ont l'air genre gras et tout. Et tu vas trouver plus facilement tes teintes pour faire tes coloriages. C'est magnifique. Ah ouais. Ils sont beaux, hein. Putain, déjà, ça, c'est un sable. Déjà, ça change tout, là. Une couleur sable, déjà, je kiffe. Voilà. Et du coup, tu vas les avoir. Il y en aura 150. Là, c'est que la boîte de 50. Ok. Putain, mais merci, meuf. Bah, fallait pas. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, parce que moi je me suis acheté 2 boîtes de crayons de couleur. Elle m'a dit, oh là là, moi aussi je vais acheter la 2e boîte comme toi. J'ai dit, oh, attends peut-être le swap, on sait jamais. Je connaissais pas du tout cette marque par contre. Ça vient du Japon, et c'est une marque... Du Japon, meuf, c'est trop chaud, toi. Qui n'existe pas encore en France, et Ok, bah je suis trop contente, génial meuf. 150 nouveaux crayons. Magnifique. Normalement tu devrais trouver les teintes qu'il te faut. Waouh, ok, parfait. Attends, je vais tout faire tomber ça. Mais par-dessus. Je vais tout faire tomber. Ok, bah je suis trop contente, moi je suis en galère de crayons de couleur, je les emprunte tout le temps chez Petit Queen. C'est pour ça que je dis que ça va changer ta vie. Donc ça va changer ma vie. Elle fait des allers-retours juste pour venir me chercher les crayons de couleur chez moi. J'aurais plus besoin de marcher 25 minutes aller-retour. Alors 7, des exclusivités, 3 petits points. Wow, qu'est-ce que c'est? Des exclusivités, une pop exclusive, je dirais. Je sais très bien. Moi je dirais des pop exclusives. Alors lesquels ça pourrait être par contre il y a tellement des pop exclusives, c'est quoi? Waouh, meuf, elles sont tellement belles. Oh là là, non mais Cusco Lama, c'est ma vie. Mais alors celle-ci, elle est arrivée abîmée, j'ai un peu le seum, enfin genre un petit peu cabossé. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Je dirais pas trop de choses. N'importe. Alors celle-ci, je t'avoue que je l'ai commandée et qu'elle est pas arrivée, donc je l'ai pris celle de ma collection quand je suis rentrée chez moi. C'est... Et genre, je me dis, je vais offrir celle de ma collection et l'autre qui arrivera sera pour moi. Mais c'est bon, tu vas en avoir. Oui, je l'ai commandée, C'est juste qu'elle était pas arrivée. Je me dis, je voulais pas faire que des bons, donc au moins tu l'as. Elles sont trop belles. Et celle-là, tu l'avais présentée. Parce que les deux, tu les as présentées dans tes vidéos. Et celle-là, je la connaissais pas, je l'ai découvert grâce à toi. Et je la trouvais trop belle, quoi. Elle est géniale. C'était une convention exclusive, je sais plus. Trop bien. Bah écoutez, moi je suis trop contente. C'est Maui, du coup, qui est mi-requin, mi-homme. C'est quand ça bug un petit peu son hameçon. Et Cusco, mes versions lama, qui est clairement la meilleure version de Cusco. Ouais, tu m'avais dit que tu l'aimais bien et tout donc. Trop stylé. Ça, c'était un des premiers cadeaux, ça faisait partie des premiers cadeaux que j'avais pour toi. Génial. Très bonne idée, Tum Tum. Tu as tapé dans le mille, tu es très forte. Bravo. Bon, bah tant mieux. Ah, j'adore mes cadeaux. Franchement, j'aime tout, t'es trop tous géniaux. T'es sûre qu'ils vont se rappeler aussi bien que le tien. Ouais. Ça t'a fait plaisir. Bah ouais, Ok. 8, pour te tenir chaud ou pas. D'accord. Donc je dirais un t-shirt. T'as une matière de t-shirt. Ok. C'est du papier cadeau, pour ça elle arrive pas à le déchirer. Waouh, Tum Tum, ça tu l'avais vu, tu m'en avais parlé. Ouais. Je l'avais dit, ça c'est trop ton style, ça peut grave te plaire. Donc ça c'est un pull t-shirt, on va dire. Voilà, c'est pour ça, pour te tenir chaud ou pas. Ouais, ou pas, on sait pas trop. Mais ultra stylé, genre avec des effets un peu... Je sais pas trop. Je dirais pas des arabesques, je dirais plus des fresques. Des mandalas, Et voilà. Et avec des petites têtes de Mickey, je me dis que c'était un peu ton style. Et ethnique. Voilà. C'est le mot. Elle a sorti le mot. C'est un style assez. Et du coup, j'ai encore le ticket de caisse. Si tu veux changer, si la taille te plaît pas, tout ça, non, tu peux changer. Il est trop beau, si la taille te va pas. Je l'aime trop. T'as un mois normalement. Il y a des petits froufrous et tout. Il est génial. Il y a des petites têtes de Mickey partout. Oh là là, ça va être bien ça pour faire une photo. Je pense déjà à son Instagram. Ok, bah trop cool, je le trouve magnifique. J'adore. Ça, je t'avais dit que je le trouvais beau. Ouais, je me suis dit que c'était bien ton style et tout. Donc, quand je suis retournée à Disneyland, je l'ai pris. Swap, Attends, il est pas Je te promets, il est génial.
9, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui est un chef-d'œuvre? Oh, c'est lourd. C'est un chef-d'œuvre lourd en tout cas. Mais là, je suis en train de l'ordre. Vas-y. Quoi? Vas-y, ouf. J'ai peur d'avoir fait une bêtise. Ah! Et attends, parce que le gros problème, c'est que ma nappe super nulle là. C'est ouais. Que j'ai écrit au marqueur et je suis en train de voir que ça dépasse à chaque fois. C'est pas grave, t'inquiète. Au pire, ça peut peut-être s'enlever, on verra bien. Regarde, j'ai ça, trop le seum. Tu vois, là, je suis en train de frotter, ça part déjà. Tu as vu okay. Ça part, t'inquiète. Ouais, bah... Trop bien, non, mais meuf, t'inquiète pas. J'ai caché mon cadeau. Mais non, c'est pas grave. Du coup, c'est un livre de La Belle et la Bête. Il est trop bien, meuf. Et je te l'avais montré, ça. Ouais, bah ouais, c'était un des rares que t'avais pas. Oh, il est magnifique. Donc, c'est un livre en fait qui raconte toute l'histoire de La Belle et la Bête, que ce soit du dessin animé au film live qui est sorti. Et il est trop beau, il est magnifique, il est lourd, il est... Ouais, il y a de quoi, il est beau, les images. Il est très beau et il explique plein de choses. Attendez, je vais ouvrir une page au hasard, stylée. pas une page avec un mec inconnu. Bon, c'est stylé. On va donner celle-là. Donc, en gros, il y a plein de croquis, par exemple. C'est ultra stylé, moi j'adore lire tout ça, avoir plein d'informations, genre... Celle-là, elle est très jolie aussi. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça trop beau. Moi, j'adore ces livres-là. Donc, je vais le lire avec mes 10 000 autres livres. Tu pourras utiliser tes marque-pages, du coup. Je pourrais utiliser mes marque-pages. Mais ouais, il est magnifique. Mais t'inquiète, je pense que ça va s'enlever. Bah, j'espère. Hein, on frotte je 2 minutes avec de l'eau et c'est bon. De toute façon, tu sais, c'est un truc... Ouais. Résistant. J'y ai pensé que après. Non, mais t'inquiète. Il est trop beau. J'adore. Et j'ai hésité à te prendre l'artbook de Mulan. Ouais. Bah, tu sais, on en avait discuté. Très bien aussi, mais genre, quand j'ai voulu le prendre, il avait cher, doublé de prix. Ça a doublé. Je te jure. Je voulais le prendre, hein. Et quand j'allais voir sur Amazon, il avait... Les prix avaient augmenté de ouf. Ok, ça marche. Bah écoute, celui-là me plaît beaucoup aussi, ne t'inquiète pas. Et le 10, surprise. Donc là, je peux rien deviner du tout. C'est une surprise. C'est pas ouf, hein, t'attends pas un peu de ouf. Oui, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois que je sais ce que c'est. C'est toi qui avais ça toi-même? Oui. C'est pour ça que j'étais en retard, j'ai mis une demi-heure à faire ça ce matin. Chier. D'accord, donc c'est des boîtes de booster surprise qui sont sorties à Hong Kong pour les cast members. C'est ça, et du coup, je les ai reçus, mais chez moi à Nantes. Et du coup, je dis, je vais pas te faire un bon pour ça, c'est nul. Donc j'ai pris des anciens boosters de Mystery Mini Coco que j'ai ouvert ici. Et j'ai imprimé des trucs, alors j'avais plus d'encre dans mon imprimante. Là c'était rose. C'est pour ça que c'est rose. Mais là c'était les premiers. Ça a marché. Donc on voit à peu près. Voilà, donc vous voyez. Il y a 8 Tsum Tsum à collectionner et je t'ai pris 6 boosters. Waouh, c'est trop bien. Bah, j'adore. Ça, je me suis dit que ça te plairait. J'adore. Et du coup, ils sont arrivés, mais à Nantes, donc je les aurai que dans 2 semaines. Il n'y a pas de souci. J'adore, franchement, ça... bon, il est génial ce cadeau-là. Et ouais, c'est pour ça, ça m'a pris une demi-heure à faire, à coller tous les petits trucs autour des boosters. Elle a pris des boosters de Mystery Mini, les gars, et elle a collé des bails, et là, il y a écrit Tsum Tsum, tu sais. Ouais. Ultra stylé, bah tu t'es fait chier, meuf, c'est trop bien. Attends. Bah voilà, et du coup, ça, bah, j'espère que t'auras une bonne pioche, ça te permettra de faire une vidéo, et j'ai hâte de voir ce que t'auras. Franchement, j'aime tous mes cadeaux, ils sont tous géniaux. Tant mieux. Que des beaux cadeaux, j'adore. Je suis très contente. Merci beaucoup, Tsum Tsum. Je pense que je sais pas si nos swaps ont été. Je pense que le tien est un peu mieux que le mien. Non, je pense pas. En vrai, je pense que ça se vaut. Commentaires, mais je pense que ça se vaut. Okay. De toute façon, on avait dit qu'on faisait à peu près le même nombre de cadeaux. Ouais. Bon, au final, sans faire exprès, on a fait le même budget. Ouais, et on voulait faire 10 cadeaux. Bon, au final, j'ai pas réussi à faire 10, j'ai fait un peu plus. Moi, j'ai fait des regroupements. Voilà, c'est ça. Mais génial, franchement, tout était génial, j'ai tout aimé. Bah, tu vois, je t'ai pas acheté trop de pop. Enfin, je t'ai acheté une. Mais une originale, tu vois, plutôt que t'en acheter d'autres. Enfin, je savais pas. Moi, j'ai fait exprès de pas prendre trop de Tsum Tsum cette fois-ci. Ouais, ouais. On a déjà dans les boosters et les 8 là. Sinon, mais trop bien, mais ça c'est. Ils sont beaux ceux-là. Ça c'est totalement ouf, ça. J'adore, trop bien. Tout est trop cool. Et bah tant mieux, je suis contente. Je suis trop contente, bah voilà. Donc c'est la fin de ce swap. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Moi ça m'a plu beaucoup. Merci encore, petit quick. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du swap de ce que je lui ai offert sur sa chaîne YouTube, à vous abonner à sa chaîne YouTube. Ainsi qu'à la mienne, si ça n'est pas encore fait. Sur ce, moi, je vous laisse ici le petit pouce bleu, bien entendu. Merci de me rappeler comment faire sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez un prochain swap avec Petit Quick, pourquoi pas. Et dites-moi en commentaire les cadeaux que vous avez préférés. Sur ce, moi, je vous laisse ici. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Salut.